Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le weekly vlog numéro 15. Oui, donc on est lundi 18 mars déjà. Le week-end a été. Est-ce qu'il a été productif? Oui, non. Bon, quand même. Je suis restée à la maison donc si j'ai quand même pu colo, mais j'ai fait des siestes. Donc je vous montre un petit peu. Là je suis toujours sur le vitraux que j'ai entamé lors du dernier live. Du live de vendredi dernier. Il me reste plus que le fond à faire. Et là en bas, les niveaux des cartes. Bon, il me reste encore ça à faire. Mais bon, normalement, je devrais le finir aujourd'hui, je pense. Et j'ai réussi de faire le tuto de Chichi Pompodoro, Taz m'a réexpliqué pour faire l'effet gemme, l'effet pierre précieuse voilà. Dans le vitraux. Je sais pas, je sais jamais quelle couleur utiliser, donc voilà, je demande toujours à, j'appelle toujours un ami, j'ai le joker. Donc je demande toujours aux filles quoi faire, parce que je sais pas en fait. Mais ouais, il est bientôt fini. Sinon j'ai fini le petit que j'avais entamé. Le love story. Voilà, j'ai fini. Je me suis pas voilà, je me suis pas cassé les pieds voilà. Il est fait. Donc là, ça serait bien que je finisse celui-ci aujourd'hui. Demain en live, je pense qu'on va commencer la roulette de Cassie et elle a sélectionné celui-ci du coup. Donc on fera le petit monstre du Loch Ness. Loch Ness ou Lyok. Loch Ness. Et je vais peut-être prendre une palette color, je sais pas, je vais voir. Mais ça sera celui-ci qui va être entamé demain. Même si, de mon côté, il va falloir que j'entame bah, le colo du mois, là, Dumbo, parce que sinon je vais prendre du retard. Donc il faudra que je commence celui-ci, de mon côté. Et j'avoue que j'ai envie de faire une double page Kirby en ce moment, mais voilà. Et j'aimerais bien aussi refaire un mystère. Parce que vu que j'ai reçu ma boîte de Tool Art, maintenant que j'ai deux boîtes, une boîte de 36, c'est ça? Ouais, une boîte de 36 et une boîte de, je sais plus, de 30. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire un colo avec ça. Même si je vais me reprendre une autre boîte sur Ali, je pense. Ali ou Temu, je vais me prendre peut-être une boîte de 72 ou. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Et j'ai mes aquarelles aussi, mes aquarelles de chez Mathilde qu'il faudrait que je mette sur. J'ai imprimé les nuanciers de Panoramimix. J'ai eu un souci avec l'imprimante. Du coup, j'ai imprimé au dos, mais c'est pas le même papier au dos, les papiers aquarelles de chez Action là, donc. Mais bon, on va faire comme on peut. Et là, j'en ai plus. Et quand j'y suis allée, c'est quand que j'y suis allée la semaine dernière, la semaine d'avant, il n'y en avait pas. Donc, j'ai plus de stock. Le seul qui me reste, il est un peu rosé. Donc, j'ai pas envie de mettre sur une feuille déjà un peu rosée, quoi. Ça va fausser le truc. Je me dis. Donc, mon imprimante a du mal à le prendre, hein, le papier. Hein. Il est épais, elle a du mal, elle galère. Hein, mais bon. Donc, ouais, je voudrais faire mes swatchs d'aquarelle là-dessus. Tous, j'aimerais tous les. Voilà. Puis vu que je les attache avec un ruban, je peux détacher, rattacher si jamais j'en rachète ou quoi. Ça peut. Voilà, c'est modifiable. Donc. Parce que bon, voilà, j'en ai qui vont arriver cette semaine de chez Mathilde. J'en ai qui vont arriver de chez Sparks cette semaine aussi. Donc j'aimerais bien avancer au niveau de mes nuanciers aquarelle. Ça pourrait être cool. Il faut que je redemande à Mathilde du coup les noms. Parce que c'est les aquarelles que j'ai reçues dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, et il n'y avait pas les noms. Donc il y en a quelques-unes que j'ai réussi à choper. Bah, Grimoire, je sais que c'est Grimoire, mais il va falloir que je lui demande. Voilà. Lesquelles sont lesquelles? Celle-ci, là, la rose, là. Ah là là, j'aime quand c'est. J'aime les aquarelles de chez Mathilde. J'aime les aquarelles. Bref.
Supervision. Non, faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Et j'ai fait du coup mon aquarelle, non. Mon nuancier des Tuli Art. Et ça aussi, faut que je refasse une couche parce que je les avais pas secoué avant de 1. Donc, c'est pas ouf là, la couleur qui est sortie. Donc, il faut que je les brasse un coup et que je refasse une petite couche pour certaines couleurs. On le voit que c'est pas fifou. Donc, je vais refaire ça aussi. Il faudra que je plastifie et que. Voilà, j'attache. Mais bon, bref, j'ai tellement de choses à faire et. Là, d'ailleurs, il faut que je fasse. Que je finisse le montage de la vidéo pour les débutants. Parce que j'ai commencé, donc ça serait bien que je finisse. Il est déjà 11h04. Je viens de lancer une machine. J'ai la masse de linge à ranger. Doudou devait m'aider ce week-end. Il ne l'a pas fait. Bref, il y a encore mes bassines pliées qui attendent de la semaine dernière. Tout va bien, je vais bien. Mais bon. On a des choses à faire, c'est bien. C'est bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu faire ce que vous vouliez faire. Ouais, c'est vrai que j'aurais voulu colorier un peu plus, mais je suis toujours embêtée avec mes coudes, mes bras me font mal. Et je ne sais pas pourquoi, ça me saoule. Et j'ai encore mes. Je sais plus si. Ben non, je les ai reçus ce week-end, je les ai reçus samedi. J'ai reçu mes Prisma de backup de chez TXT. Je vous mettrai le lien en barre d'information parce que j'ai cherché sur Ali et ça devient compliqué. Mais j'ai l'impression que ça revient quand même un peu là. Donc, je sais pas encore. J'en ai retrouvé quelques-uns. J'ai retrouvé la boîte de 150 de dispo. Ah, une petite mine de cassé là. Mais voilà, les TXT. Ils sont à 2,65 le crayon, je crois. Je sais plus. Frais de port, je sais plus pour combien j'en ai eu. Mais bon. Il me les fallait, absolument, alors que ça pouvait attendre, on est d'accord. Mais quand vous avez des envies comme ça, voilà. Et pas de facture, rien. Voilà, juste je les ai reçus dans une boîte comme ça. Voilà. Mais j'ai vérifié, ils sont tous là. Donc voilà. La journée, voilà, ça va être linge. Ménage, vaisselle, parce qu'il n'a pas fait la vaisselle hier. Je sens que je vais finir par passer la commande toute seule la vaisselle avec sa carte bleue, bien entendu. Mais ouais, je pense que je vais pas tarder à craquer. C'est mon anniversaire, ça en mai. Mais je pense que je vais quand même craquer avant, je pense. Voilà. Parce que il est en vacances au mois d'avril. Donc je pense qu'on va faire ça pour voilà, quand la semaine il sera là, bam, la commande, comme ça arrive, il peut mettre en place le truc, il peut. Voilà, parce qu'il faut pousser les meubles qu'on a dans la cuisine pour faire la place pour le lave-vaisselle. Faut qu'on repousse un peu, donc. Bref. Bientôt. Bientôt. Je serai libérée, délivrée de la vaisselle. Vous vous rendez pas compte. Sinon, le point météo du jour, c'est nuageux, mais il fait quand même relativement bon dehors. Voilà, j'ai fait les courses ce matin et comment vous dire, j'ai eu chaud en rentrant. J'avais mis le manteau et tout. Et j'ai eu un peu chaud. Voilà, j'étais bien contente de rentrer et de boire un coup du frais. Mais voilà, faut pas que je m'en jaille parce que bah, il annonce du mauvais temps à partir de mercredi, je crois, ou je sais pas. Bref, je pense pas qu'il aura encore entraînement sur le terrain. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui, peut-être, on ne sait pas. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Des bisous. Heureux. Du coup, aujourd'hui, nous sommes mardi 19 mars. Et c'est le bordel. J'ai pas colo hier soir. J'avais pas la foi. Voilà. J'ai encore eu un épisode de saignement de nez. Bilan, bon, j'étais un peu toute flagada toute la soirée, donc voilà, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai lu un peu avant de dormir. Du coup, j'ai pas avancé mon colo. Je sais pas si vous c'est que j'en étais hier. J'avais fait. C'est quelqu'un sur le Didi de Kiran qui m'a donné l'idée de faire une horloge parce qu'elle n'était pas là. Hein, Il n'est pas là dans le colo de base. Hein. Donc j'ai créé l'horloge. Première fois que
je fais quelque chose dans un colo qui n'y était pas. Voilà. Première fois. Oh, je sais plus où mettre mes affaires. C'est. Faut que je range ça du coup. Mon clavier, j'en fais quoi? Je vais me le mettre sur la tête, je crois, bientôt. Est-ce que j'ai regardé si j'avais tous les sages? Non, j'ai pas vérifié pour les. J'ai pas vérifié pour les fiches combo de Mademoiselle Disneyland. Donc il faudrait que je le fasse. Là, je peux les ranger parce que clairement, j'ai fini. Non, toi, tu vas dans ce sens-là. Hop. Hier, j'ai reçu ma commande comptoir d'aquarelle. Je lui avais passé une commande parce que je voulais un noir. Un noir paillette. Et j'ai vu un violet, j'ai pris le violet. Et elle m'a offert un godet, bien entendu, parce que Mathilde est généreuse. Donc, je pense que je vais vous filmer peut-être une vidéo sur les aquarelles de Mathilde. Parce que bah, j'en ai pas mal maintenant. Avec le calendrier de l'Avent, comment vous dire que. Celle-ci, c'est comptoir d'aquarelle. Là, c'est mes schminks. Là, c'est Marie. Sur Vinted, d'ailleurs, je lui en ai repris des. Je lui ai repris des demi-godets hier soir sur Vinted parce que j'ai vu qu'elle a fait des caméléons. Donc, je lui ai repris des demi-godets. Je vous mettrai son nom Vinted dans la barre d'information si jamais ça vous intéresse. Elle fait beaucoup de. D'iriser tout ça à 4,20 € le demi-codé, ouais, c'est ça. Donc j'en ai pris plusieurs. Hop. Donc, ouais, je pense que je vais peut-être vous filmer une vidéo sur le comptoir d'aquarelle parce que bah, j'ai fait tous mes swatchs. Et on fait des beaux pailletés, mais c'est pour ça que j'ai pas trop compris pourquoi elle m'a pas mis de paillettes dans le noir astral. Elle m'a fait un noir. Satiné en fait. Mais je pense que je vais rajouter des paillettes. J'ai des paillettes libres de ma période nail artiste. Donc je pense que je rajouterai des paillettes dedans. Parce que j'en ai pas mal normalement. Quand je mettrai l'eau dedans, je rajouterai peut-être des paillettes. Et en plus, j'ai des paillettes noires, ça peut être bien. Je pense que je ferai ça. J'espère que vous allez bien. Il fait bon, ça fait tellement bien, du bien, du bien, du bien. De pas devoir mettre son manteau, de pouvoir mettre l'intersaison. Ah là là, qu'est-ce que c'est cool. J'ai validé les inscriptions pour la chasse aux œufs de Pâques. Voilà. À la mairie ce matin. Je range ça aussi dans mon truc de pochoir. En bref, j'ai du rangement à faire. J'ai fait ma vaisselle, mais j'ai pas fait mes sols. Voilà, la flemme. Et vu comment j'ai mal à mes bras en ce moment, encore cette nuit, ça a été relou. Va falloir que j'en reparle avec mon médecin. Là, j'y retourne quand? J'allais retourner vers le 1er avril. Mais il faut que je lui en parle, voir s'il peut pas me donner des anti-inflammatoires ou quoi, parce que je pense que je suis très inflammée de partout. Quand vous passez la main et que ça fait mal. Ah, les notifs, on aime. Je pense que c'est Cheryl. Eh oui. Cheryl a envie de craquer sur le grand carré, grand classique de Tracy de Souza. Mais je lui dis, le papier, il est pas ouf. Ça, c'est chez Tirose. Ils font des beaux livres, mais. Oui, si, il y a quand même des beaux livres. Mais voilà, ils leur mettent du papier de merde. Donc c'est pas fifou quoi. Ça fait un peu chier. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc avec mes pochoirs? Là. Donc ouais, je vais ranger un peu. Vous filmez la vidéo pour les comptoirs de Mathilde. Maman, j'ai un truc juste avec ces trucs-là. Vidéo. Bon. Parce que c'est ce que j'ai utilisé pour faire les flèches de l'horloge et puis pour faire les chiffres romains aussi hein, parce que bah je suis pas très douée ici.
Donc voilà. Ça, c'est rangé. Je vais continuer mon rangement. Tiens. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Peut-être, ouais, regarder s'il y a des nouvelles, nouvelles fiches combo que je pointe un petit peu. Celle que j'ai. Achat chez Shailor. De toute façon, elles ne sont pas par ordre alphabétique. Non, ça va pas du tout. Mais je peux pas parce que Alice, de toute façon, elle est dans ce sens-là. Donc. Allez. Sinon, pour le live aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Bah, ça serait bien que je finisse mon vitro, qui devrait être fini, qui aurait dû être déjà être fini hier soir. Hein? Donc, il me reste un peu de boulot. Hein. Il me reste les tours et les vitraux là. Mais bon, je vais faire ça ouais, pendant le live. Et si j'ai fini avant l'heure, j'irai du coup dans le Cute and Creepy faire le colo roulette de Cassie. Faut que j'enlève celui-là parce que finalement, c'est pas ceci quoi. Ils ont été tirés au sort. Et c'est bien le Loch Ness. Loch Ness. Pourquoi je vais rajouter un i? Et j'ai pas regardé encore pour une. Une couleur palette. Donc à voir. Pour ça. Hop. J'ai pas mal de montage à faire parce que j'ai encore pas fini de vous monter la vidéo pour les débutants. J'ai pas fini de la monter et le plus long pour ça, ça sera la barre d'information parce qu'il va falloir que je liste tout ce que je vous montre. Et là, ça va être une horreur, ça va être super super long, mais vraiment. Donc, j'avais rien dans ma boîte aux lettres ce matin, j'attends ma commande de Sparks Aquarelle, mais voilà, je pense que le facteur n'est pas encore passé. Hier, j'avais été voir le matin, il n'y avait rien. C'était sur le soir que j'ai eu ma commande comptoir d'aquarelle. Donc, faut que je ziote un petit peu mon suivi. Mais ouais, le facteur passe jamais à la même heure ici. Donc, c'est Kumusa. J'ai encore pas rangé mes prismas de stock. Enfin, non, non, hier soir, c'était pas ça. Hier après-midi, j'étais devant le live de Taz. Donc hier, j'ai fait les... J'ai fini. J'ai fait quelque chose quand même hier après-midi. Je suis en train de me demander, je vous jure. Dingue. C'est fou. Il faut que je vous filme aussi le bilan de la Winter Pack, du coup. Parce que bah c'est fini. Ça s'est fini le 19. Bah, ça se finit aujourd'hui. Donc je finirai pas de colo aujourd'hui, qui font partie de la pack. Donc il faut que je la filme. Voilà, voilà. J'ai des choses à faire. Ah là là. Par contre, je sais plus si j'ai pas supprimé mon message Sparks sur ma boîte mail sans le faire exprès. Où je vais avoir. Attendez. Est-ce que. Ah non, c'est bon. Hop, 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 hop. Là. Ce numéro là, ça m'emmène où? Oh bah ça, si tu cliques dessus, ça termine direct. Oh bah c'est bien ça. Votre envoi est en préparation pour sa distribution. Ouais, donc normalement, ça arrive aujourd'hui. Donc normalement, ouais, aujourd'hui ou demain, mais bon, j'aimerais bien aujourd'hui. Il me reste de la place sur mes. Pour faire les swatchs. Il me reste de la place et j'en ai encore une. Parce que j'en ai imprimé. Ah non, celle-ci aussi. Voilà, oui, ah, si, j'ai encore de la place. Donc ça, c'est les nuanciers de Panorama Mix. Je vous mettrai peut-être le lien aussi en barre d'informations. Mais je le trouve vraiment pas mal pour les tout ce qui est peinture. Voilà. J'aurais su avant, j'aurais sûrement fait mes Magic Halls dessus aussi. Même s'il y a un côté aquarellé et un côté cheat. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. Donc, j'aurais plus qu'à découper et à les nouer avec un petit ruban. Comme ça, même si j'en rachète, c'est pas grave. Je détache le ruban et je rajoute au fur et à mesure. C'est un infini. Et l'au-delà. Bref. Donc, ouais, c'est cool. Donc, ouais, je vais surveiller mon transit. Mon transit. C'est
un peu con cette phrase. Je vais surveiller le transit de mon colis. Voilà. Ah là 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 là, la langue française, elle est magnifique. Alors, fou, loulouloulou. Je vous jure. C'est pépite. Donc ouais, je bosse un peu. Hein? Et bilan, ouais, 81 crayons. Ah, 81 crayons utilisés pour faire ce colo. Enfin, crayon de couleur, hein, parce que j'ai pas compté les stylos gel. Hein? Les Intense. Je sais pas ce que je vais mettre dans le fond. Je vais sûrement remettre du gris par là. J'ai pas rangé le crayon. Je pense que je vais remettre un effet pierre précieuse. D'ailleurs, Taz a enfin sorti la vidéo sur sa chaîne parce que j'ai pas arrêté de la tanner. Clairement, parce que quand elle m'avait montré le soir même à moi et à Kalina sur le Didi en visio, voilà comment elle faisait. Et moi, j'ai commencé à le faire seulement le lendemain. Donc, je lui ai redemandé de me montrer. Parce que bah voilà, c'est compliqué. Pas de message sur l'autre boîte, non. Par contre, c'est sur Vinted là, ça me saoule. Il y a des gens qui te proposent des autres prix, t'acceptes, mais ils prennent pas pour autant. Les gens me saoulaient pas dans ce cas-là si t'es pas sûr de prendre, me saoule pas. J'ai autre chose à faire, j'ai mon bureau à ranger et tout. C'est pas la peine de dire que, hein. Voilà. Du coup, je lui ai pris 5 aquarelles à Marie. C'est Créa 2015. Si jamais vous la cherchez. Pour des aquarelles de bonne qualité. Voilà. Allez. Je remets des trucs encore sur LinkedIn. C'est encore un autre sujet. Bon, je vais ranger celui-là. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous retrouve bah, pas demain parce que demain c'est mercredi et mercredi c'est journée de folie. Il y aura sûrement foot, hein. Est-ce qu'ils vont jouer sur le terrain? Est-ce qu'ils auront le droit? J'ai pas trop fait gaffe l'arrêter jusqu'à quand il était. On reverra bien. Mais bon. J'ai bien ma petite horloge. Donc oui, on va essayer. J'aimerais bien que je vous montre autre chose comme colo dans cette vidéo que ce vitraux, non? Qu'en pensez-vous? C'est quoi cette tâche? Là, c'est une tâche. C'est comme si on l'avait pas vue. Ah, j'avais pas fait gaffe que c'était la couve, c'est vrai. Mais lol. Ouais, sauf qu'ils ont. Voilà, elle est là. Puis elle est pas dedans normalement. Mais j'avais pas fait gaffe. Bah, je préfère ma version. Sorry. Donc voilà. Allez, des bisous. La bise. À plus dans le bus. À plus tard dans le car. Ça va être compliqué encore aujourd'hui, hein. Veuillez patienter quelques instants, nous allons de C'est suite saisir reparti. votre appel. Combien d'appels vais-je devoir faire pour enfin avoir Bonjour mon et bienvenue rendez-vous au pour cabinet ma fille? Parce que bah, de voilà. docteur Ils m'ont laissé un l'expert message. Mariette Laurence J'étais en train de filmer, du coup, j'ai pas pu répondre. Bertrand Veuillez patienter quelques instants, Allez, force à moi. nous allons donner suite à votre Alexandre Dumas à Amiens. Ça fait combien de temps que Le j'attends? secrétariat téléphonique 13 est minutes. ouvert de 8h à 18h30 au Elle a répondu, hein, mais elle m'a mis 03 en attente. 82 75 44 et au J'en peux plus. 03 22 91 87 58. C'est compliqué quand même, hein. J'ai eu le temps de préparer ma pile pour faire la vidéo de la Spring Pack. Voilà, j'ai eu le temps. Et le son est pourri en plus. C'est fou. Le monde part en couille. Le cabinet Je suis toujours en attente. de docteur Du coup, Lescarbotte, j'ai relancé Mariette Laurence, Marie au Thomas, premier regard. Bertou et Voilà. Claire, vous Et remercie je de fais mes votre os. appel et vous Enfin, invite à je fais patienter quelques ce qui en instants. reste. Hein, juste, je durcis un peu. Mais voilà, faudrait que je les fasse peut-être ce soir. Mais... Nous profitons de cette légère Ouais, attente légère pour attente. rappeler que le cabinet Lol. se situe à la clinique Comment Fauchelet vous au dire que centre ça me saoule un CMV peu? Porte On est C, à 20 première minutes salle là. au 59.
Dumas à Amiens. Donc, on va raccrocher, on va réessayer. Est ouvert de 8h à 18h30. Mais qu'elle ne me remette pas en attente, quoi, parce que ça me... Je vous dis pas, j'ai mal au bide. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs Lescarbotte, Mariette, Laurence, Thomas, Bertou et Clès. Veuillez patienter quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. Ça me saoule. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs Lescarbotte, Mariette, Laurence, Thomas, Bertou et Clès. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Je passe ma matinée à patienter. C'est pas 5 minutes. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs Lescarbotte. Je sais pas, t'alternes quand même un peu. Tu ne crois pas que la clientèle Thomas, présente Bertou il y a aussi Clès. Le téléphone. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs. J'aurais dû laisser Mariette, Laurence, la sonnerie de mon Thomas, téléphone pendant que je filmais quand même. Clès. Voilà, j'aurais répondu oui, direct en fait. Quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. Je m'en veux. Bonjour, parce que du coup là, je peux pas filmer. Je suis obligée d'attendre. Ça me saoule. Laurence, Thomas, Bertou et Clès. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Oui, je vais là. Tu vas où? Tu vas où? Je n'ai pas entendu, je n'ai pas compris. Bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs Lescarbotte, Mariette, Laurence, Thomas, Bertou et Clès. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Bah oui, maman, elle attend. Ouais. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs Lescarbotte, Mariette, Laurence, Thomas, Bertou et Clès. Bah du coup, je vous les conseille pas. Hein. Si vous êtes Damien. Bon, on est suivi par monsieur Lescarbotte depuis longtemps. Bonjour et bienvenue au cabinet d'ophtalmologie des docteurs. Pas qu'il soit bon, hein. Mariette, Laurence, c'est spécial, Thomas, le monsieur. Bertou et Clès. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. On tire une balle, je reviens. Et Clès, vous remercie. Elle vient de me remettre en attente. Et vous invite à patienter quelques instants. Nous profitons de cette légère attente. Parce que oui, elle peut la chercher dans les dossiers, elle n'y sera pas. Elle n'a pas de dossier encore, la petite. Premier étage, au 59, rue Alexandre Dumas, à Amiens. Alléluia! Le rendez-vous est pris! Mois de mai. Voilà. Et elle aura des gouttes à mettre avant. Mais bon, je vais m'amuser à lui mettre des gouttes tous les quarts d'heure avant. Une heure avant, tous les quarts d'heure. Waouh! Elle va kiffer sa mère. Et moi aussi. Donc ça va, c'est un mercredi. Ça va être génial. On va kiffer. Bon, du coup, il est quelle heure là? Il est 11h30. Je vais filmer ma vidéo Spring Pack. Comme ça, ça sera fait. Comment perdre du temps dans ta matinée, en fait? Et là, je pense aux personnes qui travaillent. Voilà, qui prennent le temps d'appeler sur leur pause. Ou sur leur... Voilà, sur leur pause. Déjà, c'est mort, ta pause, elle est bouffée. Elle ne t'aura pas répondu, la meuf. Ou sur ton temps de midi, quoi. Comment te prendre la tête? Voilà. Appel l'ophtalmo pour prendre rendez-vous. Voilà. Je vous donne le tips. Bon, allez, je vais vous filmer ça et on va se détendre. Voilà. Bon, le rendez-vous est pris. C'est déjà bien. Et là, j'ai fait le formulaire aussi pour l'orthophoniste pour l'IAM. On verra bien. Même si le médecin n'a pas prescrit un nombre de consultations. On va frauder un peu. Hein? Parce qu'il y en a marre. Bah, des bisous. Hein? À plus tard. Heureux. Si on m'entend, c'est bon. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 21 mars. Je fais super palichon. Mais c'est parce qu'il fait brouillard dehors. Voilà. Il y avait super chaud hier après-midi.
Au foot, on était, oh, on n'en pouvait plus. Alors que, voilà, je les ai bien habillés, je m'étais bien habillée aussi. Alors que le matin, j'étais en robe chez moi et tout, mais je me suis dit, oh, je vais me cailler le cul, pop, 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 on va changer. Quelle bonne idée. J'avais même mis un polaire à Jade et tout, oh là là. Mais elle avait sa robe en dessous, elle avait pas voulu changer, donc elle avait bien fait, mais elle a eu chaud quand même. J'ai un truc dans l'œil. Ah, j'ai taillé mon crayon noir, c'est ça. Je le mets en muqueuse. Bref. Ouais. Ça va me saouler. Hier, j'ai commencé ce petit colo dans le boule de poil. Dans celui-ci, le boule de poil. Hop. Bon, je vous remonte quand même, parce que là, vous êtes vraiment proche. Popo, c'est. Donc ouais, je me suis dit, allez, on va conjurer le sort. Parce que le seul colo que j'avais fait dedans, il est hideux. Taz me l'a envoyé normalement. Je vais essayer de l'imprimer et de le recoller. Voilà. Par contre, elle l'a en spirale. Donc ça risque d'être moche sur le côté. Mais bon, tant pis. Pour cacher cette horreur. Et puis bon, essayer un de ces quatre d'arranger ça. Là, je pense que je vais refaire une couche. Pour le ciel, il me reste plus que le sol à faire là. Parce que bon, la maison, enfin le bâtiment ne se continue pas. Donc je pense que c'est du sol. Hein. On va faire ça. Là, je vais utiliser quoi? Les craies aquarellables allemandes là. Je vais pas dire Washreden parce que c'est pas Washreden. C'est Hindenmitters. Voilà. Voilà la marque. Hindenmitters. Que je pose sur ma super palette Action. Donc je vais refaire une couche de ça et faire le sol et puis ça sera bon. Le montage de la vidéo pour les débutants, je l'ai fini. Je crois que j'ai plus qu'à l'uploader sur YouTube. Je le fais plus directement, mon PC plante hein, maintenant. Donc. Il commence à avoir de l'âge, le pauvre pépère. Donc je passe l'upload de ça. J'ai une vaisselle monstre qui m'attend, mais j'ai clairement pas envie de la faire. Ça attendra la sortie d'école. Voilà, je la ferai tout en préparant le repas. Vivement le lave-vaisselle. Vivement les vacances d'avril finalement. Ah, c'est ça qu'il faut que pas qu'on oublie, c'est d'envoyer le chèque pour le stage. Je suis en train d'y penser. On a tout dit. Chèque. Stage foot. Voilà, faut que je poste ça. J'ai été faire un petit tour à Action ce matin parce que j'avais un petit truc à faire pas trop loin. Donc, faut que je rentre mon bureau, c'est plus possible. Plus possible. Là, je me suis pris un tampon. J'ai trouvé joli celui-ci pour faire un début de mois ou quoi dans le bullet. Voilà, je l'ai trouvé joli donc j'ai pris. Ça, je me suis pris du Roll Double Sided Tissue Tape. Voilà, avec la 100. Vous l'avez en différentes tailles. Moi j'ai essayé de prendre le plus petit, mais j'aurais mis encore plus petit. Voilà. Donc je me suis pris ça. Mais j'y allais surtout pour refaire le stock de voilà, papier aquarelle. Vu que je suis en train de faire mes nuanciers. Hop, je vous montre ça. Mes nuanciers d'aquarelle. Je vous ai filmé une vidéo comptoir d'aquarelle. Parce que là, les premières, c'est comptoir d'aquarelle. Hop. Et là, c'est Sparks. Sparks là et Sparks. Il est où le. J'ai pas tout là. Il m'en manque. Je devais en avoir. Ah bah, il est en dessous, forcément. Donc voilà, il y a encore une partie comptoir d'aquarelle et Sparks. Qui sont magnifiques. Voilà, j'en ai mis dans ma wishlist. Voilà. Donc je vais continuer. Il faut que j'en réimprime et que je continue. Parce que bah, j'ai encore d'autres aquarelles à.
à swatcher comme ça. J'aimerais bien toutes me les faire. J'ai encore celle d'Ava aussi à remettre comme ça. Et j'aimerais bien aussi mettre mes supervisions, avoir vraiment des beaux swatchs de mes supervisions. Ça aussi, ça serait cool. Donc, oui, il faut que j'imprime des. Voilà. J'imprime des petits nuanciers. Donc, c'est de Panorama Mix. Mix. Donc, voilà. Je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos, si j'y pense. Mais vu que je vais faire lors du montage, je vais me le noter qu'il faut que je le fasse. Donc, ça sera fait. Voilà. On est comme ça, nous. Donc, ouais, contente d'en avoir trouvé. Je suis pas allée au même accent que d'habitude. Là, je suis allée à celui de Longo. Parce que je me suis trompée de sortie de rocade. Ça m'arrive. Ça fait longtemps que j'y étais pas allée sur cette rocade. C'est le chemin que je prenais pour aller travailler. Donc j'étais pas sereine. Voilà. Ouais. Ça c'est fait. Cet après-midi en live, je vais attaquer le Loch Ness. J'ai toujours pas regardé pour une palette color. Mais bon, je voudrais quand même une palette color qui match hein, avec du bleu ou du vert. Voilà. Donc je cherche ça aussi. Voilà. Donc, je vais ranger un peu mon bazar et finir ça. Et faire l'upload pour la vidéo de dimanche, du coup. Et ça serait bien que j'en remonte aussi. Mais ce soir, il faudrait que je fasse mes ongles parce que là, c'est juste plus possible. Mais bon, ce week-end, il va y avoir plateau. Samedi après-midi. À moins que je sois vraiment pumped up le matin et que je fasse des choses le samedi matin. Franchement, je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc voilà pour aujourd'hui. Mais ouais, ça reste brouillard, brouillard. Alors qu'il est quelle heure là? Il est 11h16. J'ai passé l'aspi. L'aspi vapeur. J'espère que je vais pas le payer au niveau de mon bras. Mais bon, voilà. Là, je suis super pâle. Palichon, palichon. Donc, ouais, je vais finir celui-ci. Ça sera fait. Et j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé Luminance, Prisma, Poly. J'ai fait quasiment pas mal de choses au Poly, quand même, pour une fois. Étonnant. Drawing. Et puis, bah, les craies allemandes. Voilà. Bon, moi je vous laisse ici. Bon, par contre, j'ai fait mon cappuccino avec mi lait de noisette, mi lait d'avoine. Et je suis pas fan de l'avoine, je crois. Non. C'est une purge. Mais bon, on va pas jeter, hein. Donc on finira, on mettra plus de cappuccino que de lait hein, la prochaine fois, c'est sûr. Et la prochaine bouteille que j'ai prise, c'est coco, lait de coco, ça devrait plus le faire. Donc je pense que. Enfin, je vais attendre de tester avant quand même, mais j'arrive pas à me fixer sur une boisson. Il faut que je remplace le lait de vache parce que. Voilà, ça va pas. Donc, mais je suis une grosse consommatrice de lait de vache, c'est ça le souci. C'est ça le souci. J'aime bien encore manger des céréales le matin, boire un verre de lait fraise ou voilà ce style. Et le cappuccino, bah, je mets pas mal de mousse de lait. Donc. Ah là là. Bon allez, on va se motiver. Ouh, j'ai été surprise par le balancier. Il faudrait que je resserre aussi mon fauteuil qui commence à couiner déjà. Bon allez, c'est parti. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain, sauf si je vous reprends d'ici là. Mais j'ai pas de soucis, j'ai pas d'appel téléphonique à faire aujourd'hui. Donc ça va. Donc voilà. J'espère que vous, ça va. Que vous êtes productive en ce moment. Que vous êtes. Vous avez la soif du colo. Que je sais qu'on n'aime pas trop quand on est un peu mollassonne. Et je sais que moi, j'aime pas ça quand je sais pas. Je rechigne un peu tout, alors je préfère les périodes où j'ai envie de tout faire. Ça va être le moment de coup de barre là. Oui. Allez, moi je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve bah, bientôt. Voilà. Pépise. Heureux tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien.
Mise à jour OBS, je ne sais pas ce que ça va donner, clairement. Donc j'ai oublié de filmer un rush vendredi, où j'aurais dû clôturer le vlog et tout, machin. Donc on va recommencer une nouvelle semaine. Hein. Voilà, ça sera un vlog de 2 semaines. On va faire ça, écoutez. Donc aujourd'hui, on est lundi 25 mars. Ce week-end, est-ce que j'ai colo? Vendredi, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, vendredi, on a commencé le colo de la mort. Parce que voilà, voilà, les followers ont donné leur point de chaîne pour que j'attaque voilà, ce livre. Et donc j'ai fait ça. Voilà, vendredi. J'y ai pas touché depuis, j'y ai pas touché du week-end. Je me dis, celui-ci, je vais vraiment le faire en live. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est. Bon, il n'y a que du prisma. Voilà, que du prisma. Mais bon, je pense que je vais faire le fond néocolore. Un fond. Savane. Un coucher de soleil. Voilà, j'espère ne pas me rater. Hein, on verra bien. Sinon, je pense que là, je vais quand même utiliser les Albrecht. Je pense que je vais utiliser pas mal d'Albrecht ou peut-être du néocolore aussi, ou peut-être un mélange des deux, voilà, pour tout ce qui est paysage, là. Parce que bon, les traits sont, c'est flou, hein. Voilà, c'est pas forcément bien fini, enfin, c'est flou. Donc ouais, je continuerai ça, bah, genre, j'y retoucherai demain, voilà, lors du prochain live. Mais voilà, ce qu'on a fait vendredi, enfin. Ce que j'ai fait, hein, parce que clairement, eux, ils ont rien branlé. sinon, ce week-end, je l'ai fait quand, le boule de poil? J'ai fait un colo dans le boule de poil. Mais je sais plus quand. Je mets plus mes dates dans mon carnet. C'est peut-être con, mais je mets plus les dates. Je note les colos, mais je mets plus les dates. Là, je sais juste que je suis sur le 36e colo de l'année, pas du mois. Hein. Pff, on s'enflamme pas. C'est le 10e colo du mois. Mais j'en ai fait un dans le boule de poil, je sais plus quand. Bref, j'ai fait un boule de poil. Je vous le montre vite fait parce que après, vous avez plus de surprises, j'ai envie de dire, dans les vidéos de colo terminées, vous les avez déjà tous vues. C'est pas juste. Ce week-end aussi, j'ai fait du dessin. C'est un bien grand mot, hein, j'ai décalqué. Hein, vous enflammez pas. pour le challenge de Didi. Alors, on s'était dit ce mois-ci qu'on essaierait peut-être de faire un peu de dessin, machin. Donc voilà, j'ai fait dessin miam. Sinon, bah, j'ai fait ce petit. Voilà. Je suis chiante avec mes colos, je les trouve jamais quand il faut les trouver en fait. Ah, il est là. J'ai fait Mowgli. Voilà, pareil, je vous le montre vite fait. Voilà. Donc j'ai fait Mowgli. Est-ce que si je le pose là, ça va le faire? Non, ça va pas le faire, je pense. Ça va se casser la gueule. Non, parce qu'il y a le galerie de portrait. Donc tu vas au-dessus. Voilà, t'es bien là. Et j'ai commencé ça hier soir. Voilà, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, tu vas prendre le premier truc de ta pile, de ta pack là. Hop, hop, hop. J'ai pris, j'ai choisi un colo et j'ai choisi celui-là. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, je bouffe du bois là. Voilà. Donc, est difficile d'avoir une image de ref. J'ai une image de ref d'elle sur son fauteuil. Ça, il n'y a pas de souci. Et de la partie de l'autre côté, en fait, de sa pièce. J'ai pas la partie ici. Donc, bah, tant pis, on va faire beaucoup de bois. Donc les drawings sont sortis, ils vont manger. Clairement. Donc ouais. On va utiliser des drawings, des drawings, des drawings. Et bah, pour elle, ça sera du prisma. Mais là, ça sera encore du drawing. Je ne sais pas quelle couleur je vais donner à sa coiffeuse derrière. Je pense que c'est une coiffeuse ou je sais pas trop. Bref, pas mal de bois qui m'attend encore. Mais je sais pas pourquoi. Mais ce colo me plaît, hein. Il est vraiment. Il est beau. On l'a vu nulle part ailleurs, me semble-t-il. Mais voilà, dans le bloc grand classique. Et ça me fait avancer. Je sais pas si je l'avais pas déjà fait quand même, la belle et la bête. Si, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Quand elle descend des escaliers là avec la robe de bal. Dans le Atelier Teens.
Bâle, justement. Il est où? Je l'ai pas noté. Pourquoi je le vois pas? La Belle et la Bête, si. Voilà, je l'avais déjà coché. Donc c'est pas grave, il sera fait. Par contre, le livre de la jungle, je l'ai coché. Oui, je l'ai coché. Donc voilà, ça se coche petit à petit. C'est bien. Mais je poste pas forcément les colos, hein, bien entendu. Moi, les posts, c'est pas mon truc. D'ailleurs, il faut que je prenne une photo de mon vitraux pour Kalina, sinon je vais me faire. Mais j'ai pas encore mis le glossy. Faudrait que ouais, je fasse ça aussi. Mais clairement, là, j'ai envie de continuer celui-là. Ce matin, je suis allée faire les courses et il venait de recevoir celui-ci. Il les avait pas encore mis en rayon au Leclerc où je vais. Donc j'ai pris dans le carton. Je vais peut-être filmer le flip-through. Comme ça sera fait. Ça me permettra de tester aussi OBS, voir que tout fonctionne normalement. J'espère vraiment que ça va aller dans le bon sens. Il y en a des beaux, encore une fois. Voilà. Oh non, mais non, mais arrêtez avec Alice! On est mort! Elle aussi, j'aime pas trop les arbres. Mais bon. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là aussi, je l'aime bien. Là, je suis en fan de sa robe, hein, mais clairement, il y a quelque chose à faire quand même. Hein. Il n'a pas de défaut. Celui, je crois que je l'ai déjà. Non, c'est pas la même. Mais j'ai failli le faire hein, dans ce style, dans le grand classique. J'ai failli. Bref, je vais vous faire un flip-through. Comme ça, il sera fait. Et bah, bilan, je l'ai eu un peu moins cher. Voilà. Au lieu de 9,95, je l'ai eu à 9,46 € comme je vous dis à chaque fois. Leclerc, c'est moins cher. Parce qu'à Auchan, je les ai plus, les 5% sur les livres. Alors qu'avant, j'y avais. Ah, est-ce que. Ah non, c'est maintenant, c'est un Inter. C'est plus géant. Donc je pense pas qu'il y ait encore. Je sais pas s'il y a encore le rayon librairie comme il y avait avant. Je sais pas. Bref, j'ai du mal à aller jusque là-bas. Bref. Ouais, je vais faire ça. J'ai uploadé la vidéo débutant colo. J'ai commencé la barre d'infos. Voilà. Mais voilà, j'ai un moment, je me suis dit. On va s'arrêter avant de s'énerver. C'est très long. Donc là, j'ai pas encore mis les liens. Il me reste plus que les liens à mettre. J'ai déjà mis toutes les désignations des articles que je vous présente. J'ai plus qu'à faire à mettre les liens. Et c'est ça qui va être relou. Donc voilà. Ça sera fait dans la semaine, mais quand je sais pas, et voilà, avec la bonne musique, voilà, ça passera. Donc, ouais, je vais filmer le flip-through, et après, je continuerai ce colo, je pense, parce que j'ai envie. Tout simplement, j'ai envie de colo un peu. Parce que le montage, c'est bien. Filmer aussi, c'est bien, mais voilà. Après, je m'en veux parce que j'ai rien fait. C'est comme ça. Hop. Il va falloir que je retrouve une petite boîte pour les ranger, ces trucs. Pour mon fond Mowgli, j'ai utilisé les encres de chez Action. Et pour une fois, elles étaient pigmentées. J'étais contente. Les boîtes en métal, là. Donc, j'étais contente. Et puis, j'ai des trucs, des documents à sortir aussi avec l'imprimante. Mais ça va me prendre 10 plombes. Bon, il faut que je me fixe sur un truc, là. Il faut. J'ai bien dormi cette nuit. J'étais surprise quand il m'a réveillée, j'étais en train de rêver. Mais il s'est encore passé un truc chelou. Je sais pas si je vous l'avais raconté à vous. Le fait que je retrouve mon clavier, il y a des matins où je le retrouve sur off, alors que je l'éteins jamais. Ça m'est arrivé deux fois. Ouais, deux fois. Où bah, je vais pour taper mon mot de passe et bah, ça marche pas. Parce qu'il est sur off, alors que je l'éteins jamais. Comme ma souris, je l'éteins jamais. Et là, cette nuit, j'avais un collier avec un pendentif. Et ce matin, je me réveille, j'avais plus le pendentif. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors que je l'avais encore hier soir, je jouais avec quand j'étais en train de colo tout ça. Et ce matin, plus le pendentif, mais j'avais encore la chaîne. Et je ne sais pas comment c'est possible. Et j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai pas compris. J'ai cherché partout dans mon lit, sous les oreillers. Bref,
passe des choses cheloues. Donc j'ai enlevé la chaîne ce matin parce que bah voilà. Mais j'ai pas compris. Alors que c'est quand même un pendentif assez imposant, quoi. Lourd. Donc franchement, je comprends pas. Parce que ouais, j'ai joué encore avec hier soir, je me souviens. Sur le Didi avec les filles, voilà. Et là, je. Bref. Affaire non élucidée numéro 3. Bon, je vais vous filmer ça. Moi, je vous dis à plus tard, du coup. Le point météo du jour. On n'a pas fait la météo, les gars. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il fait. C'est nuageux, mais ça va. Il y a un petit peu de vent. Mais on est bien ce matin. Je suis sortie en pull. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, c'est cool. C'est cool. Elia m'a mis un short. Voilà, il a voulu mettre un short. Je lui dis, oh, c'est à tes risques que c'est péril. Hein. Si t'as froid, tu viens pas te plaindre. Hein. Il a voulu mettre un short. Alors, d'ici qu'il rentre ce soir, qu'il a les genoux tout éraflés. Le week-end, ça s'est passé relativement bien, mais bon, ils sont relous. Hein, voilà, Jade est relou, elle saoule tout le monde. Elle n'a pas encore été propre ce week-end. Liam est allé au foot du coup avec son père. Il a joué sous la pluie, dehors. Mais forcément, si c'est sous la pluie, meuf, c'est dehors. Bref, son père était content. Bon, il a perdu, hein, bien entendu, hein, parce que bon, voilà, comme d'habitude, il est souvent remplaçant. Hein. Bref. Dimanche, on est allé à Kiddy Teuf, du coup. Et ce fut la surprise quand je suis arrivée. En fait, c'était l'anniversaire du fils de ma copine. Voilà. Elle me l'a pas dit. Exprès pour que j'amène rien. Bref, ça va chier. ils se sont bien amusés, même si Liam voulait lui jouer au foot. Mais c'est un tout petit espace, il y a un ballon, et ils sont au moins 10 à se battre pour le ballon. Et c'est pas mon fils, c'est pas celui qui va pousser les autres. Et voilà. Lui, c'est celui qui va rester dans un coin, puis il va attendre que plus personne. Voilà, qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir jouer. Le souci, c'est que c'est pas possible, et du coup, il se fait marcher sur les pieds, tout ça. Donc ça chouine. Et il voulait pas faire autre chose que le ballon, donc c'est compliqué, mais bon, il a fini par aller jouer quand même avec les autres enfants qui étaient là pour l'anniversaire. Et là, il a commencé à vraiment jouer, c'était bien. Mais il y a eu un petit passage où voilà, il était pas bien, il s'était mis de côté. Et il y a un petit, plus petit que Jade, enfin il était peut-être plus âgé en âge, mais il était plus petit que Jade. Et Liam était assis par terre, voilà, il demandait rien à personne, et le gamin il va vers lui. Limite, il lui marche dessus déjà. Et après, il a essayé de l'assommer avec le gros ballon qui traînait là. Et Liam ne dit rien en fait. Ça, c'est. J'arrête pas de lui dire, ne te laisse pas faire. Il y a quelqu'un qui t'emmerde, mais bouge, fais quelque chose. Ne reste pas là à attendre et à chouiner en fait. Non, bouge. J'ai vraiment peur pour le futur parce que. S'il se laisse faire comme ça au collège, lycée, il va. Enfin. Je ne lui souhaite pas, hein, vraiment, mais moi je l'ai subi, donc. Mais il va vraiment falloir qu'il sorte de. Parce que non, j'ai regardé le petit, je lui ai dit non, mais tu fais quoi là? Il était tout con, mais. Je fais non, il y a un moment, tu. Pourquoi je comprends pas ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant et se dire tiens je vais aller le faire chier lui je le connais pas il est là il demande rien à personne je vais aller le faire chier enfin je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfin j'ai vraiment du mal avec ça je comprends pas ou tu te dis tiens je vais aller faire chier le gosse là il a rien demandé à personne je vais aller l'emmerder tiens juste parce que j'ai envie enfin bon bref je comprendrai jamais ça. Les personnes qui harcèlent les autres, je comprends pas. Y a quelque chose qui vrille dans le cerveau, tu te sens comment? Enfin, je sais pas, tu te sens puissant, c'est ça le truc? Enfin, bref, c'est un débat compliqué. Mais non, va vraiment falloir qu'ils sortent les doigts du cul, hein, parce qu'on est mal barré là. Bref, sinon ça a été. Ça a été. Mais encore ce matin, j'ai dû. Je suis toujours obligée d'hausser le ton, obligée de menacer, de machin. Pour qu'il se prépare en temps et en heure et qu'il veuille bien aller se laver les dents, si, machin. Oh, c'est.
Va falloir que je trouve un truc pour qu'ils le fassent d'eux-mêmes et qu'ils aient envie de le faire, je sais pas, d'être dans les temps. Parce qu'après, il y a en retard, machin. Bah oui, mais c'est pas. Est-ce que c'est de ma faute? Moi, je suis prête, je fais que de vous attendre. Depuis, 8 heures, je vous dis hop, 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 bougez-vous les guillemets. Hein? C'est pour ça, le jour où je viens à retravailler, et je sais pas comment ça va se passer. Hein? Bref. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parti dans mon truc. Bref, je vous dis à tout de suite. Parce que bah je. Voilà, on va continuer le vlog, le weekly vlog. Je sais pas trop ce qui est prévu cette semaine. Moi c'est. Je prévois pas grand-chose. Si, il faudrait que je fasse le. Pas Mowgli. Dumbo, j'ai toujours pas fait. Hein. Dans le portrait là. Je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard, il faut que je fasse Dumbo, il faut que je fasse Dumbo. Donc j'ai celui-là à faire, il faut vraiment que j'arrête de commencer des trucs. Il faut que j'aille là-dedans. Parce que là, du coup, en live, ben, on va faire que le Mickey. Hein, de A à Z, j'ai envie de vous dire. Et j'aimerais bien qu'il ne me dure pas trop longtemps, parce que ben, celles et ceux qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai du mal quand les colos durent 107 ans. Moi, j'aime bien un colo 2-3 jours, c'est bien. Après, enfin, je trouve. Voilà. J'ai des nuanciers à faire aussi, du coup. J'ai des, oui, des nuanciers aquarelles qu'il faut que je continue de faire, vu que là, j'ai ce week-end, j'ai reçu. Je vous ai pas montré. Oh là là, ma boîte. Le placard commence à être trop, trop rempli. Ce week-end, j'ai reçu des caméléons. Caméléons. De comment ça s'appelle sur Insta? Lutine, je crois que c'est ça. Mais bon, je les prends sur Vinted. Sur Vinted, elle s'appelle Marie. Non, pas Marie. Elle s'appelle Créa 2015. Voilà, Créa 2015. Voilà, elle fait des aquarelles. Elle en poste régulièrement. Toutes celles-ci, c'est à elle. Et celle-ci et les deux dots. Voilà. Donc je suis contente. J'ai eu un noir en dot et le chocolat est pas trop mal non plus. Les swatchs. Les swatchs. Regardons un peu. Donc on a licorne, neige, iris, comète, hibiscus, le noir et le chocolat. Et je les ai fait aussi sur le noir du coup. Regardez-moi comme c'est beau. Même le chocolat, il est intéressant. Mais comète, hibiscus, oh là là, c'est très très beau. Donc voilà. Et quand je le mets, je sais pas si vous allez le voir si je mets le flash là maintenant. Flash là. Je sais pas si ça va marcher. Regardez les paillettes. Je pense que vous les voyez. Vous voyez avec le flash là? Oh là 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 là. Vous voyez comme c'est beau? Voilà. Le chocolat et le noir. Voilà. Donc oui, très contente. Voilà. Je suis tombée dessus un soir d'errance. Au lieu d'aller dormir, voilà. J'ai traîné sur Vinted et j'ai vu voilà, que Marie avait remis des aquarelles. Et quand j'ai vu que c'était des caméléons, j'ai dit hop hop, vite! Là j'ai vu, elle en a remis. Mais bon, bah, dès que ça part, voilà, faut qu'elle refasse l'annonce à chaque fois. C'est. Mais bon, je pense que si vous lui demandez, il n'y a pas de souci. Vu que je vous ai donné les noms, si jamais il y en a une en particulier qui vous intéresse, voilà, il y a licorne, neige, iris, comète, hibiscus. Chocolat et le noir, je pense qu'elle doit les faire normalement. Je sais pas. Vu que c'est en dot, je sais pas si c'était des tests, si, je sais pas. Donc voilà. Première rush déjà de 20 minutes, on est bien. La reprise est bien. Donc moi je vous fais des bisous, je vous retrouve tout de suite. Heureux. Nous sommes du coup mardi 26 mars. J'ai mis mon casque parce que bah, je pense que je vais me regarder une série après. Enfin j'ai commencé une nouvelle série. Vous n'êtes pas prêts. J'ai fini Shadow and Bones hier.
Voilà, série que je vous conseille. Par contre, moi j'avais lu les livres avant. Par exemple, j'avais lu le tome 1 avant de regarder la première saison et j'ai lu le tome 2 avant de regarder la saison 2. Mais bon, je me suis refait la saison 1 et voilà. Après j'enchaîne sur la 2. Par contre, j'ai l'impression que ça m'a spoil un peu du 3. Parce que je me souviens pas avoir lu ça. Bref, faudrait que je lise la suite prochainement. Mais vraiment, je comprends toujours pas pourquoi ils ont sorti Six of Crows avant la saga des Grishas. Je comprends pas. Parce que moi, je trouve vraiment que c'est important de savoir qui sont ces personnes et avant de se lancer dans leurs aventures. Enfin, je sais pas. Bref. Du coup, là, j'ai commencé Outro. La série Outro. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances, carrément. Vraiment. Mais bon, bref. Voilà. J'avais déjà regardé le fait Crypté l'accusé sur Outro. Mais bon, voilà. Voilà. J'ai mal au crâne depuis ce matin. J'ai pris un Doli. Mais bon, vu que j'ai un peu mal partout aussi, je sais pas trop ce qui se passe. Va falloir que je voie avec mon médecin. Parce que je pense que la dame a des soucis de santé. Je pense. Je pense. C'est un peu compliqué là. D'avoir mal partout. Voilà. Alors que je ne fais rien. C'est un peu chelou. Hier, j'ai continué un peu. Celui-ci. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai posté deux stories sur ce colo parce que ça m'a un peu gavé. Parce que j'ai dû encore faire l'illustratrice. C'est à se demander si ils utilisent de l'AI. Je sais pas. Parce que il manque des choses. On est obligé de refaire. Voilà, il manquait là, il n'y avait pas les marches là. Il n'y avait pas de marches là, c'était du vide, c'était le néant. Bella, tu vas où? Et là, pareil, il n'y avait pas la rampe d'escalier, il n'y avait rien là, en dessous là. Donc j'ai dû recréer des lignes, j'ai dû. Et là, je me demande ce que c'est que ce truc là. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Donc ouais, je me pose des questions, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut laisser des coquilles comme ça dans un colo des parties blanches alors que bah voilà un escalier voilà t'as des marches là et hop t'en as plus et hop t'as de nouveau des marches. Non mais allô? Bref. Bien entendu, vous douterez que je n'ai pas eu de réponse de Hachette Rose ni de Alexandre K. Alexandre Cara? Mais là tu vas où là? Non? Tu laisses mon attrape-rêve, s'il te plaît. Tu peux aller vivre ta vie? Bella? Si, c'est les mêmes affaires qu'hier, qu'avant-hier. Ça n'a pas changé. C'est toujours la même odeur. C'est la mienne. C'est mes affaires. Bella? C'est compliqué. Hier soir, j'ai quasiment rien pu faire parce qu'elle s'est couchée sur mon colo. Tu vas où là? Mais. Va te mettre sur ton arbre à chat. Tu peux regarder dehors depuis lui. Allez, bouge! Mais. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Maman, elle est en train de filmer une vidéo là. Bah non, en fait, non, tu t'assois pas. Oh. T'arrêtes? C'est mon bureau là. Ton espace de vie, il est plus loin là-bas. Va là-bas. Hop. Tu te mets sur le lit si tu veux. Mais le bureau, maman, elle travaille là. Allez. Madame, tu veux que je sors le mot de page? Est-ce que tu veux que je sors le mot de page? Attention, hein. Ouais, attention à toi. Donc, ouais, ça me saoule. Je trouve que c'est important de leur dire ce qui va pas dans leur livre, leur bloc ou quoi que ce soit. Il y a des problèmes, il faut qu'ils s'en rendent compte, les gars. Enfin, parce que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Mais voilà, moi j'ai envie que les choses elles changent, qu'ils fassent un peu plus attention à leur travail. Je sais pas, on paye quand même hein, maintenant en plus le coût a augmenté alors qu'on a moins de colos qu'avant. Donc les gars, faites votre travail correctement, que ce soit aussi bien Hachette que les illustrateurs en fait, parce que là, je pense que c'est l'illustrateur qui a merdé. Mais bon,
la maison d'édition derrière aurait dû voir qu'il y avait une couille dans le pâté. Enfin, dans l'escalier, du moins. Donc, bref, ça me saoule. Donc, je vais essayer de continuer ça. Je vais m'occuper de Belle aujourd'hui. Ouais, je vais m'occuper de Belle. Je vais essayer de terminer au moins elle. Sachant que cet après-midi, je suis en live et que je continuerai du coup le Mickey. J'espère que j'aurai pas trop mal au crâne, que ça va passer ce truc. Sinon, j'ai froid, j'arrive pas à me réchauffer aujourd'hui. Le point météo du jour. Il fait moche, il pleuvait ce matin quand j'ai déposé les enfants à l'école. Oh. Et voilà, il y a un peu de vent, c'est gris, enfin c'est moche. Mais t'as décidé d'être relou? T'as piqué une robe de Barbie à Jade là pour jouer avec? T'es sérieuse? Ouais, c'est pas un jouet ça. Mais oui, elle joue avec la robe de réponse. Oh! Je crois que c'est la robe de réponse. Je suis pas sûre. Mais oui, elle aussi. Pourquoi elle déshabille toutes ses poupées aussi? On peut pas les laisser habiller un peu. Il fait froid là. C'est encore pas l'été, hein. C'est pas encore l'été. Bref. Allez. Donc ouais, je vais continuer ça. Bah, je vais devant ma super série Outro. Je sais pas si je vous referai un point. Il est déjà 11h et dit. Ouais, ce matin, j'ai fait quoi? J'ai fait du linge. Ouais, voilà. Voilà. J'ai une vaisselle qui m'attend, mais je la ferai ce soir, vu qu'il n'y a pas les bains des enfants à faire. Le repas, j'ai juste à préparer des pâtes pour finir avec les paupiettes de poulet. Ouais, donc c'est bon. Ouais, j'espère que j'aurai pas ce mot de crâne demain, parce que mercredi, j'espère que vous, ça va. On va avoir des problèmes de diction aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, je prends les combos de Mademoiselle Disneyland. Bien entendu. Donc, ouais, je vais continuer ça. Oh, les yeux, ils sont tout petits, ça va être compliqué. C'est la minute de bailliage. Voilà. Donc des bisous, je vous dis à plus tard. Ce vlog va être extrêmement long. Un courage à vous, mettez l'avance rapide. Voilà. Et prenez un snack. Des bisous, prenez soin de vous. Allez-vous. Heureux. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi 28 mars. Je suis en train d'essayer de voilà, passer mes nuanciers d'aquarelle. Voilà, je continue à faire. Mais là, il faut que je note les noms des créatrices. Voilà. Il faut que je commence à découper ça. Et plastifier. Est-ce que je plastifie? Est-ce que ça va pas dénaturer le truc? Je sais pas. Puis bon, j'en ai certaines qui n'ont pas de nom, du coup, chez Mathilde. Mais là, tu vas où? Ah, putain. Pourquoi? En fait. Pourquoi? Hier soir, j'ai pas colo. Plus que ça. J'ai pas avancé le bel. Mais alors, parce qu'à chaque fois que je vais dedans, je trouve des trucs. Qui sont pas finis ou qui ont rien à faire là ou enfin voilà bref je suis un peu fâchée contre Alexandre Caram clairement un peu fâchée sinon j'ai fait un peu de mystère oui j'ai besoin de mon livre Bella tu peux te pousser s'il te plaît allez va faire ta vie de chat allez oups allez petit coup de calligraphie. Du coup, j'ai fait du mystère feutre acrylique, mais ça fait des traces. Voilà. J'ai pas encore trouvé la technique. Voilà. Et je me suis plantée là. Ça devrait être plus foncé là. Mais bon, j'ai que deux boîtes là pour l'instant. J'ai une boîte de With a Scent et une boîte de Tully.
Tuli Art. Donc voilà. Je pouvais pas faire celui-là, j'ai toujours pas effacé le transfert que j'ai eu. Mais bon, puis je vais attendre d'avoir le pack peau pour faire la peau du monsieur, le pauvre. Sinon il va vraiment pas être beau. Mais... Hop, ça c'est bon. Non, ben, j'ai pas retouché. Et puis le Mickey, ben, on va faire le fond aujourd'hui, en live. Donc normalement il est censé être fini aujourd'hui. Parce qu'il ne reste que ça à faire. Je pense que je vais prendre les néocolores. Je vais faire un combo rose, orange, jaune. Ouais, il ne me reste plus que le fond à faire. Donc. À voir. Faut que je repasse du feutre noir dans les oiseaux. Ils sont pas assez noirs à mon goût. Voilà. Donc ouais, je termine ça aujourd'hui. Et le bel, eh ben, il n'a pas avancé. Ah, d'accord. Sympa. C'était quoi ce frise? L'encodeur en surcharge. What? What? Pourquoi ça lag comme ça là? Je comprends pas du tout ce qui se passe là. Il y a une mise à jour OBS. J'ai eu une mise à jour PC hier soir. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Je sais pas. Bref. J'ai pas, vous voyez, j'ai pas forcément avancé sur ce colo parce que bah, à chaque fois que je vais dedans, je découvre des trucs pas finis ou qui ont rien à faire là. Je me pose, je me demande si c'est de l'AI. Parce que franchement, pouf, voilà. Ça me. Voilà. Ça me donne pas envie de retourner dans le bloc grand classique, hein, franchement. Est-ce que j'ai vraiment pas eu de chance et j'ai choisi le seul colo où il y a plein de défauts? Je sais pas. Mais franchement, c'est chaud. Là, je me demande ce que c'est que la partie là. Parce que là, on a bien le sol à ce niveau-là. Et là, bah, on sait pas trop ce que c'est que ça. Là. Cette partie-là, à mon avis, elle n'a rien à faire là. Voilà. Là, on a le pompon qui devient invisible pendant un moment. Voilà. Là, c'est une chaise qui a été créée parce que, bah, clairement, elle n'est pas dans l'image de ref. C'est cette chaise-ci. Voilà. Donc, à savoir, est-ce qu'est-ce que... Enfin, il y a encore des parties derrière, moi, qui me dérangent sur cette chaise. Enfin, bon. J'ai pas encore fini, hein. Et voilà, là, la commode, là. Bref. Parce que ça me semble... bizarre qu'elle finisse. Enfin, franchement, je sais pas. Bah ouais, toi non plus. Hein. Bah ouais, je sais bien. Hein. Mais ouais, ça fait beaucoup là pour un seul colo. C'est relou. Donc ouais, il faudrait que je continue un peu ça quand même. À voir. J'étais en train d'essayer de trier mes aquarelles, remettre le nom des créatrices, tout ça dessus. Il faut que je commence à découper. Sinon, hier soir, j'ai fait un peu de mystère feutre acrylique. Mais bon, moi, ça me fait des traces. Je ne sais pas encore trop comment faire. Et je me suis déjà plantée sur une couleur. Cette partie-là aurait dû être bien plus foncée, me semble-t-il. Ouais. Donc, à voir. Là, ça va à peu près. Mais là où ouais, j'ai des traces, là j'ai des traces. Je sais pas si vous le voyez. Si on voit qu'il y a des traces. Là j'ai que deux gammes là pour l'instant. J'ai les Tuli Art, les 36 essentiels là. Et les With or Scent. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les Tuli sont numérotés et tout ça. Que ceci non, bah, j'ai dû le faire moi-même. Mais bon, faut que je finisse les nuanciers, que je puisse voilà
Parce que là, j'ai pas forcément. Là, j'ai pris au pif. J'avais pas envie de me faire chier hier soir. Et finalement, bah, j'aurais peut-être dû me faire chier un peu plus. Donc voilà pour lui. Et sinon, aujourd'hui en live, on est censé finir le colo de la mort. Donc dans le grand Mickey là. Parce qu'il me reste plus que le fond là à faire. Donc je pense que je vais faire le néocolore 2. Je vais partir du. Oui, j'ai toujours pas enlevé les notifs. Je suis sûre que c'est Taz. Donc je pense que je vais faire du violet, rose, orange, jaune. Je pense que je vais faire un truc dans le style. Il faut que je finisse ça là. Et plus les bottines que j'essaye un peu là pour l'appareil photo, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais voilà. Hop, normalement il sera fini pour aujourd'hui. Donc ouais, je vais essayer de classer ça un peu mieux. Et j'en ai encore à faire. Il faudrait que je m'y mette un bon coup. J'ai encore plein de crayons de sortie. Enfin, bref, j'ai pas été très opérationnel hier. J'ai eu une grosse migraine du lever jusqu'à la moitié de l'après-midi, je dirais. Même après la sieste, j'ai fait la sieste avec Jade hier et c'était toujours là. C'était pas ouf. Mais bon, ça a fini par partir. Mais c'est pas pour autant que j'ai été productive dans la soirée. Maintenant, hier soir, j'ai saigné du nez. Ouais, bah ouais, je me suis posée à mon bureau et bam, j'ai saigné du nez. Je sais pas ce que. Je sais pas. Je dois avoir un manque dans quelque chose ou je sais pas. Mais en ce moment, c'est 2 à 3 fois par semaine, quoi. Donc là, oui, il faut que je pense à prendre rendez-vous aussi au médecin. Je vais faire ça. Sinon, bah, la routine. Non, j'ai pas fait ma vaisselle ce matin, je la ferai ce soir. J'ai fait une machine. J'ai fait mes 2 bidons de lessive. J'ai lavé mon four. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, du moins. Une machine. J'ai plié un étendoir. Ouais. Bref, il m'en reste encore un à faire. Faudrait que je refasse une machine ce soir. J'ai l'impression que ça se finit jamais. Il y a encore. Ah, j'ai passé le balai et je me dis, mais comment font celles qui ont une maison? Parce que moi j'ai un F4 et j'en peux déjà plus. Et encore, je fais vraiment pas le ménage à fond, je supporte pas ça. Je suis pas maniaque maintenant. Oh mon Dieu, non. C'est le moins de temps j'y passe, mieux je me porte. Oh ouais, non, non, c'est pas possible. Je comprends pas celles qui kiffent faire ça. Enfin. Oh là là. Du coup, ça c'est Mathilde. Je mets quoi, Math? Je vais mettre Math. Il y en a certaines, ça va être écrit en haut et d'autres qui vont être écrites en bas. Même celles qui n'ont pas de nom, c'était des exclus ou qui ne sont plus faites. Ouais, j'avais encore d'autres à swatcher. Hein. J'aimerais bien faire celle d'Ava aussi. J'ai les schminks, les supervisions aussi qu'il faut que je fasse de cette sorte-ci aussi. Donc là, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Faudrait que je fasse du montage aussi. J'en ai fait un petit peu hier. Et il faudrait que je fasse la barre d'infos, la miniature aujourd'hui. Ça serait bien. Que ça soit prêt en avance pour dimanche. Je crois que je peux peut-être vous en mettre une aujourd'hui. Il y en a peut-être une qui est prête. J'aurais peut-être dû mettre hier, mais bon, hier j'étais pas en forme. Faudrait que vraiment que j'arrive à reprendre un peu d'avance. C'est quoi ça? Certains services Google ne sont pas associés. Putain, ils font chier. Alors. Parce que j'ai la barre d'infos à finir sur la vidéo pour les débutants. Ouais, j'ai ça à faire. Là, ouais, j'ai filmé la. Enfin, j'ai monté le bilan Winter Pack. Ça, faudrait que je le. Je
termine ça, la nounours thérapie, il a été mis en ligne, je pourrais vous mettre l'autre. Ah non, il est déjà en ligne. J'avais déjà. Il était publié quand? Aujourd'hui? Ok. C'est officiel, je ne sais plus ce que je fais. Il faudrait que je vous remette aussi un replay, je suis en train de penser. J'ai pas encore récupéré le retard. Là, c'est bon, ça commence. Je commence enfin. Enfin, c'est revenu à la normale. Je peux enfin en remettre les replays. Que j'avais des soucis avec la VOD. Mais ça, c'est réglé. Mais ouais, je pense que je vais télécharger un petit replay. Et voilà. Mettre ça parce que oui, là, ça arrive à date ceux qui s'en vont. Faut pas que je me fasse avoir. Donc voilà. Non, aujourd'hui, c'est pas foufou, hein. Je suis pas encore opérationnelle de fou. Pardon. Mais oui, il faut que je me motive. Je suis deck, c'est pour mes nouveaux couleurs, du coup. Il est mal fait, mon. Enfin, il faut que je le refasse. Je suis deck. J'ai voulu suivre le site Carandache. Bah ouais, bah non. Voilà. Je commence par les blancs, après j'ai du gris. Enfin, le noir, il est lourd. Ça va pas, hein, ça va pas, ça. Donc, il faut que je refasse tout ça. J'aurais bien cramé du papier aquarelle, même si c'est du papier action, c'est pas grave en soi. Il faut que je finisse de faire mes dossiers, ça serait bien. J'ai un bordel sur ce bureau, encore une fois. Ah, incommensurable. Je sais pas si c'est le mot adapté à la situation. Voilà, je vais vous laisser là, je vous reprendrai demain matin pour le dernier rush et après ça sera enfin la fin de ce vlog qui va durer une éternité. Je suis désolée. Vraiment désolée. Hop. Non, non, il va m'ouvrir. Oh là là, je fais n'importe quoi, je fais du misclic. Moi je vous fais des bisous et je vous dis bah du coup bah à demain. Bye. Heureux. Alors aujourd'hui. Dernier jour du weekly vlog qui fut d'une longueur, j'ose même pas imaginer. Donc on est vendredi 29 mars, voilà, week-end de Pâques en approche. Je sais pas si ça va faire du bien. Pardon. J'ai bien dormi, pourtant je comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Bref. Point météo, il fait tout gris. Oh, ça fait du bien. J'étais en train de regarder la rediff, enfin oui, du FCL à d'hier soir. J'ai pas fini, j'ai pas fini, je vais finir là. Je me le garde pour midi, peut-être pour midi. Hier en live, nous avons terminé, enfin nous avons surtout moi terminé bah, le colo de la mort. Je pense que je vais refaire une petite couche sur le fond. Mais je pense que je vais poser mon pigment sur ma palette et utiliser le moins d'eau possible. Mais voilà, contente. Voilà. Donc lui, c'est bon. Lui, c'est toujours pas bon. J'ai fait le parquet hier soir. Voilà. Je vais continuer ça aujourd'hui ou je vais commencer le dembo, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il m'énerve ce colo. Le dembo, il est. Ouais, il est là. Donc je sais pas si je vais pas commencer celui-là aujourd'hui. Mais bon, ça fait beaucoup de Disney. Pardon. Ouais, ça fait beaucoup de Disney à la suite là. Je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Puis sachant que j'ai encore le mystère aussi, que j'ai commencé, qu'il faudra que je finisse. Mais bon, ouais, je vais attendre d'avoir mes teintes peau.
Je vois qu'il y a un petit nœud au color 2. Ouais, c'est ça aussi qu'il faut que je fasse, le nuancier des nœuds au color 2, parce que c'est le bordel. C'est le bordel. Bilan hier, je vous quittais et je vous disais que j'allais faire mes nuanciers aquarelles et tout, ou du montage. Et finalement, en fermant l'application, ça a mis clic sur Storage Hustle. Hustle? Hustle. Bref, le jeu s'est lancé. Je me suis dit, bon, bah alors on va jouer. Donc j'ai passé ma fin de matinée à jouer. Voilà. Oh punaise, je vous jure. Promis là, pas aujourd'hui, promis. Aujourd'hui, montage. Et c'est pas possible. Mais oui, j'étais bien dans le canapé, sous le plaid et tout. Il fait froid aujourd'hui. Pouh. Sachant que ce week-end, ça va être pourri, mais alors pourri. Alors que l'année dernière, il faisait super chaud. Je me souviens, les tablettes de chocolat avaient fondu, là, pour les petits. Quand ils ont fait la chasse aux œufs, la moitié des trucs étaient fondus. Alors cette année, on va le faire à l'intérieur. Super. C'est super. Il y a trop de lumière, non? Voilà. Du coup, celui-ci, il a bien rétréci. Il faudrait que je m'en prenne un en backup. J'ai toujours pas rangé mes crayons du Mickey. Enfin bref, comme d'hab, hein. Je vous dis, on change pas. Hein. Donc ouais, je vais faire un petit peu de montage. Et je sais pas du coup ce que je vais faire ce week-end. Du coup, il n'y a pas de plateau. Donc par contre, on n'est pas là samedi matin normalement. Mais samedi après-midi, je serai à la maison. Donc j'espère que celui-là, je le finis ce week-end. Franchement. Franchement. On s'est prévu de faire un Mythomorphia. Avec les filles. Elles veulent faire... Ah bah du coup, il y a eu le sondage, et ça va être elle qui a été choisie, mais je l'ai en double. Enfin, j'ai pas le livre en double. Quoique si, il est chez mamie, mais non. C'est l'édition plume, je l'ai laissé aux enfants. Mais je sais que je l'ai... Color Morphia. Je sais qu'il... Ah, vous voyez, il est là. Donc je vais pouvoir le refaire. Par contre, là, c'est Lomart. Donc je vais voir ce que ça donne. Mais je sais pas... dans quelle couleur je vais partir. L'autre, je l'avais fait dans des teintes que je fais habituellement, mais c'était pas les teintes que je voulais faire à la base. Mais est-ce que je vais choisir les teintes que j'avais choisies à la base pour faire celle-ci? Je ne sais pas encore. Je vais peut-être prendre une color palette, ou je ne sais pas, mais je suis contente de la refaire. Voilà. Et contente de retourner dans du Kirby. Du coup, bah, c'est parti comme ça. Et les prochains colos dans le... Il est où? C'est ça le problème. Il y a trop de livres. J'ai trop de livres. J'ai trop de livres. Il est là ou pas? Le main... Durst. Report. Et l'autre, c'est lequel? C'est celui-là? Non, il est vert normalement sur le côté. Bah oui, il est vert normalement. Bah voilà, ça s'est tombé. Ça devait tomber. Je suis sûre, c'est sûr, c'est sûr, ça devait tomber un jour. Mais ça va, c'est pas cassé. Rien n'a cassé ici. Ça va rester en bas, les bougies, hein, du coup. Ils vont rester par terre, les bougies. Hop. Il est où mon petite bête du coup? Je l'ai pas rangé. C'est débile de le ranger, je le sors tout le temps. Mais j'ai froid. Faut que je reprenne le plaid de Bella, je crois. Non, 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 non. Where is this book? Donc nous l'ossé. C'est pas tombé. Non, c'est pas tombé hier soir. Europa, on est d'accord. Et celui-là, c'est le saison.
faire. Je vais appeler perdu du. Jacques Pradel, où es-tu? Qu'est-ce que j'ai fait du. C'est tout le temps ça, c'est ouf, ça m'arrive tout le temps. J'ai l'impression d'être Taz là, il est là. En dessous du vitreau, forcément, on le voit pas. Hein. Attends, j'ai froid. Couverture. Ah, j'ai des cadavres de bouteilles d'eau aussi. Je vous jure. Alors, ce mois-ci, colo choisi. Donc, il y a celui-ci en bonus. Sinon, c'est celui-là. C'est celui que j'avais sélectionné. Donc, voilà. Donc, je le ferai sûrement. Avec la petite girafe. Faudrait que je regarde. Mais ouais. Je vais les faire. Je pense que je vais les faire ce mois-ci. Enfin, le mois de mars, du moins. Donc, ouais, il y aura ces deux-là. Donc, toi, tu retournes là, s'il te plaît. Merci. Arrête de disparaître. Et ouais, j'espère finir celui-ci ce week-end parce que bah, j'en ai marre de le voir en fait. Je me suis tellement pris la tête dessus par rapport bah, aux éléments qui manquaient. Et beaucoup de bois. Ouais, beaucoup de bois. Donc j'espère que vous, ça va. Que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Parce que quand la vidéo sera en ligne... Ça sera déjà passé. C'est ouf, ce coup de barre là. Pourquoi? Oh, on se calme. Donc ouais, cet après-midi, je pense qu'on va finir celui-là. Ou peut-être faire le démo, je sais pas. Il y avait la page Pokémon aussi que je voulais faire. J'ai pas rangé, qui est là, qui va être toute pliée. Je voulais faire celle-ci, là, bah, la suivante en fait, parce qu'il y a Psycho Quack, j'adore Psycho Quack. Donc je sais pas. Mais il faut que je pique le Pokédex à mon fils. Il me l'a pas apporté alors que je l'avais demandé. Bref. La suite au prochain épisode. Moi, je vais vous laisser ici parce que bah ça suffit, en fait. C'est beaucoup trop long. Je m'en excuse. Donc, à voir si la semaine prochaine, lors du début de vlog, j'aurai fait quelque chose, j'aurai fini un colo. On verra bien. Je sais pas. Ou est-ce que j'aurais fait un petit peu de nuancier? On ne sait pas. Seul l'avenir nous le dira. La suite au prochain épisode. Je vous jure, j'en peux plus. Donc voilà, pour ce vlog, moi je vous fais plein de bisous. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. C'est pas les vacances encore. Hein. Mais ça approche quand même, hein. C'est quand? Le 20 avril. Ouais. Ça approche. Ça approche. Ils ont combien de temps? Du 20 au 6. Ouais. Bon, allez. La bise. À bientôt.